Salut à tous et à toutes, c'est Thérapie, je suis en compagnie de Boronis pour vous présenter ce second épisode du Point Making. Comment ça va, Boronis? Très bien, merci, et toi? Bonjour à toutes et à tous. Ben ça va super, donc on va enchaîner tout de suite avec le sommaire pour pas perdre de temps. Donc on va commencer avec notre rubrique Les Petits Nouveaux pour rien changer. Ensuite on passera à RPG Creator et Craft Studio qui sont tous deux des nouveaux logiciels qui vont bientôt sortir de Making. Donc on commence avec notre rubrique Les Petits Nouveaux qui est composée pour cet épisode que d'un seul projet qui n'est pas réellement un nouveau projet mais qui a été nouvellement présenté sur les forums de Making. Donc on l'a découvert il y a très peu de temps et on tenait aussi à vous le faire découvrir qui n'est autre que Asilopol de Rockmeek. Donc on commence tout de suite par Asilopol de Rockmeek. Donc Asilopol est, si je peux le permettre, un petit bijou de ce qu'on voit actuellement sur les forums de Making. C'est dans ce action-aventure futuriste que nous nous baladerons et que nous parcourrons la programmation de ce jeu qui est, je précise, à 99% un event, c'est pas rien quand même. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Du côté scénaristique, on est dans un futur proche qui, après une terrible guerre, force les humains à se reclure dans un bunker gigantesque. Et à l'intérieur de ce bunker gigantesque, ou dôme, se trouve au centre une tour qui est en réalité un hôpital psychiatrique. Et à l'intérieur de ce bunker, la population s'agite. On peut voir des grosses fumées noires sortir de la zone industrielle et les rat-punks. Les rat-punks ? Je sais pas vraiment, en fait, y a pas trop d'explications dessus. Donc je disais, les rat-punks sont exécutés par l'ordre, autorité qui punit l'anarchisme et qui récompense les salariés. La vie dans le dôme est donc rude, mais certainement moins rude qu'à l'extérieur. Oui, donc maintenant qu'on en a un peu décrit le scénario, on va pouvoir passer sur l'histoire du personnage principal, je pense, hein. Ouais, pas de souci. Donc on va incarner Adam Murdoch, un psychiatre qui travaille dans cette grande tour. Et celui-ci, je précise, père de famille, c'est clairement précisé dans le sujet. Peut-être que ses enfants auront un rôle à jouer dans la suite des événements, on n'en sait trop rien. Donc Adam travaille sur ses patients avec une méthode un peu étrange puisqu'il utilise un programme virtuel du nom de Mentalis pour guérir les phobies des patients. Et lors de ses séances dans le Mentalis, Adam est accompagné de Neurodoc, un gentil robot qui aidera Adam dans ses séances. Alors au début, on a trouvé que le scénario paraissait assez classique, mais là, il faut avouer que c'est très très bien tourné et qu'on a vraiment hâte de foncer dans le Mentalis pour découvrir le subconscient des patients. Le jeu aura des systèmes d'un jeu aventure qui se respectent, exploration, dialogue, ramassage d'objets et j'en passe. Par contre, Rockmeek a bien précisé que nous n'influerons en rien sur le scénario, qui est donc linéaire. Non, mais, nous influerons sur les relations avec les autres. Vous pourrez améliorer vos relations avec des PNJ par l'intermédiaire de discussions, réseaux sociaux, bon là c'est un peu bizarre, et bien d'autres. Le contenu action sera en place dans le jeu pour rendre alléchant le gameplay. En fait, on sait pas encore grand chose de plus. Ouais, c'est tout pour le gameplay, je crois. Ouais, donc un gameplay assez secret, j'ai l'impression. Mais je pense que le jeu qui devrait arriver en juin, d'après ce que nous dit Rockmeek, nous prépare un sacré paquet de surprises. Donc on attend tous juin avec impatience et j'espère que vous aussi. Ah bah oui. Donc on enchaîne tout de suite avec RPG Creator. Donc c'est avec joie que nous avons découvert ce qui va sembler changer le monde du making peut-être à jamais. Eh bien oui, vous avez marre de RPG Maker, eh bien sachez qu'en juin, c'est peut-être l'heure du changement. Ouais, le changement c'est maintenant. Ouais, tout à fait. Car oui, RPG Creator va entrer parmi les grands. Mais d'abord, RPG Creator, c'est quoi ? RPG Creator, ce n'est pas un logiciel utilisant RPG Maker comme support. Oh non, non. RPG Creator est un logiciel à part qui vous permettra de créer, et ça c'est merveilleux, des RPG et des MMORPG. Cette fois-ci, plus de combats par tour comme on avait l'habitude, mais un système d'ABS par défaut, ce qui va être pas mal agréable. Ouais, ouais. Rajoutez vos animations et votre personnage tuera des monstres et des dragons de son épée avec beauté. Vous pouvez personnaliser l'interface, installer, désinstaller des plugins, faire de votre jeu une chose unique, tout simplement. Ouais, mais maintenant attention, c'est ici que RPG Creator va peut-être changer le monde du making à jamais. C'est jouer, vous pouvez jouer sur iPad, iPhone et Android. Votre jeu pourra être vendu sur l'Apple Store ou le Google Play, une nouveauté qui poussera peut-être certains à finir enfin leur jeu. Ce qui est par contre moins amusant, c'est que le logiciel est sur navigateur. Eh oui, je crois pas que nous puissions le faire sous logiciel à part, mais non sur navigateur comme RPG Maker. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'oublie un point quand même. Votre jeu pourra être aussi exporté sur Xbox 360, Windows et Windows Phone. Ouais, donc vous l'avez compris, RPG Creator est quelque chose d'immense à ne pas manquer quand même. Sauf qu'il y aura peut-être un détail qui va vous calmer, c'est le prix. Ouais, en ce moment, c'est des réductions quand même. La version RPG sortira à 44,10€ au lieu de 49. Ouais, la version RPG plus MMORPG sera à 58,65€ au lieu de 69€. C'est un peu cher pour certains, on vous l'accorde quand même.
Mais bon, dites-vous que vous pourrez rembourser votre achat sur les ventes de votre jeu, hein. C'est donc tout ce que nous avions à dire sur RPG Creator, nous passons donc à notre sujet suivant. Et notre sujet suivant a encore un rapport avec la création de jeux vidéo, comme on l'avait dit. Et oui, car cette fois nous allons parler de Craft Studio, ou le jeu qui crée des jeux. Le projet a été réalisé en C# avec X Egen A. L'auteur est Élisée. Ouais, donc le concept de ce jeu est super intéressant parce que à la manière de Minecraft, on va pouvoir utiliser des cubes, mais qu'en plus, on pourra déformer, agrandir et faire plein d'autres choses pour créer notre propre monde. Vous pourrez donc créer un environnement 3D à la Minecraft et bien d'autres peut-être. Donc pour l'instant, le projet est en pré-alpha, donc peu de systèmes sont encore implantés, mais on prévoit par l'avenir une gestion des lumières dynamique, excusez-moi, du multijoueur et plein d'autres trucs. Le jeu est en quelque sorte aussi un projet collaboratif, hein. Vous pourrez aider vos amis à finir leur jeu, mais vous pouvez aussi recevoir de l'aide. Mais aussi parfois de parfaits inconnus, mais si vous préférez la solitude, hein, pas de problème, créez un serveur privé. Donc déjà, de belles fonctions sont déjà implantées, comme un système de grade ou un système de chat. Et ce qui va roxer du poney, c'est que le créateur prévoit un système de magasin où vous pourrez partager vos créations à travers le monde entier. C'est pas beau le web quand même, hein. Petit tic, c'est que le jeu sera peut-être payant comme le logiciel précédent. Enfin, ça, on en sait encore trop rien. Un peu de sous pour Snob Travail, hein, c'est pas la mort quand même. Hein. Ouais, mais c'est toujours mieux quand c'est gratuit. Ouais, j'avoue, quand même. Bon, allez, on vous laisse. Je pense que cet épisode a assez duré. On espère vous retrouver dans 2 semaines où nous aurons une interview. Au revoir. Ciao, ciao.